Stéphanie Page, qui va revenir avec nous sur sa superbe prestation, puisqu'elle a gagné grâce à un striking énormissime et un sol qu'elle développe. Alors, est-ce que c'est pas trop compliqué de basculer d'une discipline comme la boxe thaï dans une discipline qui est carrément à l'opposé, qui est le pancrace? Non, bah après, je me suis bien préparée aussi avec mes coachs, donc Mickaël Tezaldan et Norman Parisi. Donc, on avait bien préparé ça. Ça fait un an que je m'entraîne au sol quand même, et je commence à bien comprendre. Donc, voilà. Et après, franchement, moi, je suis petite, donc j'aime bien les projections. Je suis contente pour une fois que ça sert à quelque chose d'être petite. Ouais. Voilà, après, mon adversaire aussi, il a été prévenu un peu en retard mardi, donc je sais pas. Mais en tout cas, je la remercie d'être venue. Et, franchement, je suis contente, j'ai de bonnes sensations et j'espère remonter très vite en pancras ou en MMA. Très prochainement, là, j'ai hâte. La question qu'on se pose, il y a bientôt un 100% fight féminin qui est organisé. Est-ce que tu seras de la partie? Adge, oui, mets-moi dedans, s'il te plaît, je veux boxer encore. J'espère qu'il entendra, hein. Tu vas entendre. Hein. N'oublie pas. Il va l'entendre aussi, t'inquiète pas. Ok. En tout cas, vraiment bravo à toi. Merci. Bravo pour ta prestation, pour tout ce que tu as apporté aujourd'hui. Merci. Et ça fait du bien. Bravo à toi. Merci. À très bientôt. Merci.